voici au Vendredi Saint. Le Vendredi Saint se trouve au cœur du mystère pascal à cause de la croix de Christ. En toute humilité, nous rentrons dans la célébration de la Passion de Jésus. Nous allons écouter les différents textes, puis nous passerons à la vénération de la croix. Prions. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru que ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il relevé? S'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté, qui attire le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants,
son tombeau avec les louches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a pris au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance qui prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leur faute. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand poète par excellence. Celui qui a traversé les cieux, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand poète incapable de compatir à nos faiblesses. Mais un grand poète éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté les péchés. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort.
et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron, via les larves de Jean-Paul, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui lui avait allait accomplir, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui dirent : Jésus ne dit rien. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus ne dit rien. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi. Je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, c'est là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la voir ? Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et l'enchaînèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, au père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis : il vaut mieux que cela homme meure pour tout le peuple. Simon Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là ? Il répondit : Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur
ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Et ça, ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes était à côté de Jésus, lui donnait une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai fait mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Anne l'envoya toujours enchaînée au grand prêtre de Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer, on lui dit, « N'es-tu pas un des disciples, toi aussi ?» Il répondit, « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui qui a Agrippa avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que je n'étais pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on amène Jésus chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entraient pas eux-mêmes dans les palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger la vie pascale. Pilate vint au dehors de leur couleur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondirent, s'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit, reprenez-le et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. Les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi, s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans son palais, appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien l'autre te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ?» Ta nation était chef des prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclare, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sentit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais il se mit à prier, pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats
voyez, je vous l'emmène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit : Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans son palais et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'est un vendredi, la veille de la Pâque vers midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors il cria : à mort, crucifiez-le. Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les chefs de prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fit appeler, qui fut placé sur la croix, avec cette inscription : Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lui ont cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : Il ne fallait pas écrire roi des Juifs, il fallait écrire. Ce que j'ai écrit. Non, c'est un petit jugement. Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent les habits, il en fit quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne le déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré au sort le vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère.
Le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre et une branche de sol, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés qu'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu mon témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ses os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloe, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent de l'insulte, en employant les aromates, selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Voici, en ce vendredi saint où l'Église catholique à travers le monde commémore la passion et la mort de notre Seigneur Jésus. Une mort sur la croix. La croix fait peur et personne ne cherche la croix. Que de croix, que de souffrance
Nous le savons, Jésus n'a pas cherché la souffrance. Moins encore, la croix sur laquelle il donne sa vie. Dans les Écritures même, c'est Saint Paul qui le dit. Hein? Maudit soit celui qui meurt sur la croix. Ce sont des paroles fortes. Et dans la tradition romaine, c'était des grands bandits qui terminaient sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter un tel sort? La croix fait réfléchir. Et ma petite expérience, c'est que quand j'étais en formation au grand séminaire, je n'avais jamais compris pourquoi on vénérait la croix. C'était un bois pour moi. Alors, c'est en cherchant et en méditant, effectivement, que j'ai eu une petite étincelle. Alors, qui continue de m'éclairer sur la signification de la croix dans notre religion. C'est le lieu où l'amour termine. C'est le lieu où quelqu'un donne entièrement sa vie. Une vie menée jusqu'au bout, un amour vécu jusqu'au bout. Les textes les disent, hein? Quand Jésus lui-même, au moment de remettre sa vie entre les mains de son Père, tout est accompli. La croix est ce lieu où tout est accompli, effectivement. Vie entièrement donnée. L'amour vécu jusqu'au bout, c'est là la croix. Et c'est pour cela que nous avons une vénération, une dévotion comme ça pour la croix. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, ça peut être déjà un premier message pour nous. La croix comme le lieu vraiment où une vie termine, entièrement donnée. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Deuxième chose, quand on fait les liens avec la croix et l'autel, ce serait la fête que nous avons anticipée hier, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est aujourd'hui. Puisque Jésus ne pouvait pas le faire aujourd'hui, il a anticipé à la veille de sa mort. C'est ça. Donc les deux, la croix et l'autel, comme je le disais hier, au sujet de l'Eucharistie et du sacerdoce, la croix et l'autel, c'est pareil. On ne peut pas les séparer. Prenez ceci, est mon corps, prenez ceci, c'est mon sang, ça se passe le vendredi saint. Le corps qui a été donné aux disciples et que nous continuons à recevoir, qui a été donné le jeudi saint, c'est ce corps qui se donne le vendredi entièrement, se consumer. C'est ça. Le sang, mon sang versé pour vous, c'est le vendredi saint que ça se passe. D'où l'autel et la croix. Une vie entièrement donnée dans la sincérité et dans la franchise. Et pour nous aujourd'hui, vous qui les mamans peuvent en témoigner, vous êtes la plupart d'entre vous des papas et des mamans, oui. Vous donnez votre vie pour vos enfants,
C'est ça que Jésus a fait pour nous. Parce que le seul homme, pourquoi verser son sang? Parce que notre sang était sué. Mais il fallait trouver quelqu'un parmi nous dont le sang n'est pas sué pour nous arracher de là où on est tombé. C'est ça la signification aussi. C'est le sang qui nous arrache du péché. Alors vraiment, c'est un grand jour pour l'Église. Nous célébrons, ce n'est pas la mort que nous célébrons. Nous célébrons plutôt vraiment l'amour donné, la vie donnée et l'amour vécu. On peut dire, en regardant la croix, il a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour donner ma vie pour les autres? Nous allons poursuivre la cérémonie avec ce qu'on appelle la grande prière de l'Église, parce que toute la couche sociale y passe. Nous prions les uns pour les autres, pour que chacun puisse être cet amour, une vie qui se donne pour les autres, et vivre cet amour jusqu'au bout, pour notre salut. Amen. Amen. Sur la croix, le Christ porte les péchés du monde. Il donne sa vie pour sauver tous les hommes. Sa passion est souffrance extrême. Sa passion est amour absolu. Et nous sommes notre prière pour lui confier les souffrances de notre humanité. Implorons son amour pour l'humanité tout entière. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège en tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tout le peuple. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu à l'ordre de l'épiscope Cospal. Qu'il le garde saint et sauve à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter
prière. Protège avec amour les papes François que tu as choisis, afin que, sous la conduite de ce pasteur, les peuples chrétiens que tu gouvernes progressent toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque, pour nous, pour tous les évêques, les poètes, les diacres, pour tous ceux qui remplissent les ministères de l'Église, et pour l'ensemble des peuples, des croyants, Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent. Nous pensons en particulier à notre pasteur, Monseigneur Santier. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon pour tous leurs péchés, par le bien de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel, et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente à nos catéchumènes, en particulier Sarah et Kevin, l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassemble ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par les liens de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier. Qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son âme. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance comme ton Église est en sûr. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas.
l'Éternel est tout puissant. Donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donc, de mieux nous aimer les uns et les autres, et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à leur reconnaître. Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé l'homme pour qu'il te cherche de tout son cœur et que son cœur s'abaisse en te trouvant faire au milieu des difficultés de ce monde, tout ce qui se discerne les signes de ta bonté et rencontre les témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens en tes mains le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui cherchent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. D'avoir pitié des hommes dans le poète. Qui débarrasse le monde de toute épreuve, qui chasse les épidémies et repousse la famine, qui vide les prisons et délivre les captifs, qui protège ceux qui voyagent, qui ramène chez eux les exilés, qui donne la force aux malades et apporte le salut aux mourants. Dieu éternel et tout puissant, console le chant des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de la miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu éternel et tout puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde avec compassion celles et ceux qui se trouvent en ce jour
dans une situation de désarroi. Nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent. Que tes secours, toujours présents, assistent ceux et celles qui ont besoin de toi et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle. Par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons à présent procéder à la vénération de la croix avec le chant suivant. Voici les voies de la croix qui apportent le salut du monde. Voici les bois de la croix qui apportent le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici les bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici les bois de la croix qui apportent le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur.
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais soumets une parole, je serai guéri. Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens à nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ces mystères consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénédiction finale. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ,
Notre Seigneur qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.